Salut à tous, salut à toutes, c'est Dirk36 pour la suite de notre Let's Play sur The Witcher 3 Wild Hunt. Alors, on est là pour l'audience impériale, visiblement, d'après ce que nous a dit Yennefer, il avait une proposition qu'on ne pouvait pas refuser à nous faire. Donc on va sans tarder commencer, il faut que je parle au chambellan. Puis-je rappeler à monsieur qu'une serviette nouée autour de la taille n'est pas une tenue appropriée pour une audience. Oui, oui, c'est vrai. On avait dit qu'on devait choisir comment se fringuer. Bon. Là, c'est quoi? C'est un petit peu des motifs léopard, je sais pas trop quoi. Ah, ça, bon. Ouais. J'aime pas trop le col, hein. Bon, allez, celui-là. Pourpoint courtisan élégant, pantalon nive gardien. Ok, on prend tout ça. Et puis bah on va aller dans l'inventaire. Je pense que c'est là qu'il faut se fringuer. Ouais, on a un peu plus de gueule comme ça. Très bien. Alors, c'est bon, ça va comme ça? Et on dit que l'habit ne fait pas le moine. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Ouais, ça va. On va faire avec, exactement. Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. La Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Ouais, ma montre. Je vous écoute. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. Ah merde, j'ai pas écouté. merde. Je crois qu'on va dire que c'est ça. Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un ordi. Ça allait. Suivez-moi. Bon. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle et en utilisant le titre approprié. Quoi? Votre archi-magnificence? Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre Majesté suffira amplement. Prononcez d'une voix forte et intelligible, avec respect. Imgrimi ep Arderser, Des Winadan incarn ep Morvut, Emir Var Embreis. Révérence. Oui, on fait. Votre Majesté impériale. Arerep to Horde. Evelien Namid Vatgern Babort. Allez, non? Je crois qu'il avait essayé de me tuer dans l'autre épisode. De Rive s'incline-t-il devant quelqu'un? Je ne voulais pas décevoir votre chambellan. C'est mon nouvel ami. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors Silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue, et elle est en danger. Chasse sauvage est à ses trousses. Mais... Retrouvez-la, et ramenez-la moi. Combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien, parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver.
Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'état, comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûr. Ça, y a intérêt. Ouais. On est noble. Mais il me semblait que c'était ma fille adoptive, là. Il y a un truc que j'ai pas compris dans l'histoire, faut que je vérifie. Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vos armées ont incendiés. J'accepte pour Ciri, pas pour votre or. Peu importe la raison, seul le résultat compte. Yennefer vous dira le reste. L'audience est terminée. Mère Erid. Conduisez-le ouais. À la magicienne. Ah, ça a mal se terminer cette histoire. Monsieur veut bien me suivre. Ne vous éloignez pas de moi, je vous prie. Le palais accueille de nombreux hôtes de prestige que monsieur Dégoûte pourrait déranger. Bon, alors, il va falloir qu'on retrouve Ciri maintenant. Ça, on le savait. Mais cette fois, je vais faire un peu plus de quêtes secondaires. Je vais peut-être pas toutes vous les montrer, mais... J'ai vraiment pas tout exploré sur l'autre map, je suis allé beaucoup trop vite, c'est dommage. Sympa. Ah, je peux pas courir. Ah oui, je peux courir. Non, là, je peux plus. Ah, oh, purée. Faut se taper tout ça. Ah oui, là, je peux courir, mais je peux à peine faire quelques pas. Ouais. Puis avec le sens de sorceleur, y'a rien. Ah si, je peux fermer 2-3 trucs au passage. Le mec, il s'emmerde pas. Les pétales de myrte blanc. Bon, ça, j'en ai des tonnes. Oui, j'arrive. Monsieur aura terminé, oui. Je me chargerai de lui remettre ses affaires. Quand monsieur aura terminé, je me chargerai de lui remettre Je dois parler à Yennefer, oui. Donc c'est par là-bas. Là, du coup, je peux courir. Ah, je peux pas passer là. Voilà. Ça y est. Scribe. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guide. Et ça, c'est qui? L'ambassadeur. Tiens. Je peux pas lui parler. Non. Merci de ne pas me déranger. Oui, d'accord. Non, je vais essayer de pas faucher des trucs comme pour pas me faire. Je n'arrive pas à suivre. Vous savez quoi? C'est quoi là? Je vais l'écrire ouais. Moi-même ce rapport. Ensuite, non, ça, on va laisser en place. Bon, allez, avançons. Dommage que je sois trop. Là, voilà. Gérald, tu es magnifique dans cette tunique. J'aime beaucoup ces petits bas. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. Ah, en d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Émir? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenu. Émir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Hum. Nos agents. Tu t'es bien adapté à ce que je vois. Oh, Gérald, ne joue pas sur les mots. Je sais qui est Émir. C'est lui qui est à l'origine de cette guerre. J'ai perdu de nombreux amis par sa faute. Mais je n'ai pas d'autre choix. Épargne-moi tes reproches et concentrons-nous sur Ciri. Tu veux bien? Oui. Émir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais... Je pensais être plus maligne que...
Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Emir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Geralt. Retrouve-la avant la chasse sauvage. Ouais. La chasse. Pourquoi en a-t-elle appris si vite ? Aucune idée, Geralt. J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question, mais je n'ai pas leur adresse. Je n'en sais pas plus que toi. C'est sans doute en rapport avec son sang, son talent. Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent, honnêtement, je préfère ne pas y penser. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement ? À Velen et à Novigrad. La piste de Velen est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. C'est un homme de l'Empereur. Quoi, c'est tout ? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète ? Rien de tout ça. Désolé de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Triss Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire ? Je pars bientôt pour Skellige. Une explosion magique y a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. Ouais, je crois qu'il est vraiment temps d'y aller. Il va falloir se rendre à cette auberge-là. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... le temps presse, c'est vrai. Un peu frustré, du coup, là. Hein. Le mieux serait que je te téléporte à Velen. Qu'en dis-tu ? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va à ravir, tu sais. Vraiment ? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec les émirs, va voir l'ambassadeur Var-Hatr. C'est lui, là-bas. Geralt, je sais que c'est la guerre, mais... ne joue pas les héros, d'accord ? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Je t'attendrai. Adorable. Ok, alors, voyons voir ces quêtes. L'audience impériale, tous à ses fers, récupérez votre équipement auprès du chambellan. Très bien. Ah, mais il y a toujours les quêtes de Blanchefleur qui sont disponibles. Bah oui, bon, je pense que je pourrais retourner facilement sur la map. Bon, bah ça, c'est bon à savoir. Ce qui est assez logique. J'ai un point à distribuer encore au niveau de mes compétences. Parce que ce qu'il faut aussi, c'est aller explorer et puis prendre les différents points de compétences qu'on trouve sur les sites des pouvoirs. J'en ai trouvé qu'un seul pour l'instant. Donc ça, je le ferai pas pendant les épisodes. Parce que voilà, à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment intéressant, j'enregistrerai. On va pas méditer maintenant. Le bestiaire, les ghouls et les noyeurs. Au passage, là, on peut voir à quoi ils sont vulnérables, comme d'habitude. Les huiles, bah j'ai toujours pas réussi à en faire. Et puis les noyeurs, c'était du feu. Ouais, Igni. Et puis ensuite, les spectres, ben, on avait vu le démon près du puits, le spectre de midi, évidemment. Ok. Il faudra aussi que je voie au niveau des personnages, parce que il y a quand même pas mal d'éléments de background qui me manquent. Visiblement, comme je le disais avant, l'empereur, dans l'épisode précédent, avait tenté de tuer Geralt, mais comme je ne l'ai pas fait, ben, je ne suis pas au courant. Et puis... sa fille, Cyrilla, donc, était la pupille de Geralt, sorte de fille adoptive, et qui est poursuivie, visiblement, par la chasse sauvage. Chasse sauvage, ça, encore, il faudra que je voie ce que c'est exactement. Organisation occulte, je sais pas. Voilà, Triss Merigold, visiblement, ils en parlent comme s'ils se connaissaient déjà d'avant.
Et ça va être d'une rencontre un petit peu mouvementée, d'après ce qui est raconté ici. Ok, très bien. Bon, alors on va aller récupérer notre équipement auprès de ce chambellan, tout à fait sympathique. Ah oui, puis il fallait causer avec l'ambassadeur au passage. Yennefer m'a conseillé de venir vous voir pour en savoir plus sur la guerre. Et tout le reste. Bien sûr. Entre serviteurs de l'Empereur, l'information doit circuler librement. Venez, approchons de la carte. Alors, ouais, où on est là hier? Pas sûr de tout comprendre. En dehors du fait que la victoire de Nilfgaard est imminente, bien sûr. Tout ceci reste entre nous, d'accord? Je compte sur votre discrétion. Mettons la propagande de côté pour un instant. La campagne se déroulait à merveille, jusqu'à l'arrivée de l'hiver. La conquête d'Aedirne avait été une promenade de santé, et nous avions atteint le Pontard avant les premières neiges. Les seuls royaumes à se dresser encore devant nous étaient Kedwen, terriblement affaibli, et la Redania de Radovid, qui s'était tenue à l'écart du conflit. Sûrs de notre victoire, nous avons décidé d'attendre le printemps. Vous pensiez soumettre Radovid? Oui, nous avons été un brin optimiste. Radovid n'a cherché ni la paix, ni la guerre avec le Nilfgaard. Au lieu de cela, il a traversé les monts Kestrel. Et attaqué Kedwen, son allié. Super. L'attaque a pris Kedwen au dépourvu, d'autant plus que son roi venait de mourir. L'armée a rendu les armes après quelques escarmouches et s'est ralliée à Radovid. Et voilà comment, au lieu de deux ennemis faibles, nous devons faire face à un ennemi puissant. Et ouais. Ouais. Et le Kovir? Le Kovir s'accroche à sa neutralité, suffisamment pour ne prêter troupes et argent à aucun des deux camps. Pour en revenir à la guerre, une bataille a eu lieu ce printemps dans les marais de Velen. Une bataille majeure, mais à l'issue indécise. Les deux camps ont subi de terribles pertes. Radovid a battu en retraite de l'autre côté du Pontard. Pour l'instant, il est en sécurité, mais des renforts arriveront bientôt du sud. L'empereur Emir Varemaris pourra alors lui régler son compte. Vous ne pourriez pas rentrer chez vous bien tranquillement? Ça éviterait bien des manœuvres. Sans compter les morts inutiles. Les enjeux sont trop grands, j'en ai peur. Nous ne pouvons plus reculer. Bon. Ça a l'air sympa d'aller à Velen, là. Bien tendu du slip. Quelle est la situation à Velen? Mauvaise, comme toujours. Très mauvaise, même. La région était déjà sinistre avant la guerre. Mais aujourd'hui, elle baigne dans le sang. Les armées ont rasé les champs, pillé les greniers et incendié les villages. Le peuple meurt de faim. Et vous arrivez à contrôler ce petit coin de paradis? Pour tout vous dire, pas vraiment. Velen est une région marécageuse et sauvage, et nos forces sont éparpillées. Nous avons perdu plus d'une patrouille. Nous avons donc temporairement délégué notre autorité à un certain Philippe Strenger, un ancien officier nordien de l'armée témérienne. Il est plus connu sous son nom de guerre, le Baron Sanglant. Ouais, ils auraient pu trouver mieux là. Un petit conseil, évitez-le. Ok. Ouais, Velen, ça me dit bien. Puis Novigrad, c'est les deux endroits où ont été vus Ciri. La ville est toujours libre. Oui, et ça ne durera pas. Radovid est à Oxenfurt. Et l'empereur est ici, à Vizima. Tous deux sont aux portes de Novigrad, et tous deux ont besoin d'argent et de navires, qu'on trouve en abondance à Novigrad. Ceci explique pourquoi l'atmosphère en ville est aussi, disons, tendue. C'est-à-dire? Quand les hommes ont peur, ils cherchent du réconfort et des boucs émissaires. L'église du feu éternel l'a bien compris. Elle rassure le troupeau en désignant des coupables. Qui a commencé cette guerre? Qui en tire profit? La réponse est évidente.
les mages, les elfes et les nains. En un mot, les déviants. Je suis en poste à Novigrad depuis 13 ans. D'abord comme consul, puis comme ambassadeur. La cruauté, le cynisme et l'avidité ne me sont pas étrangers, mais je n'avais encore jamais vu une chose pareille. Bah, Novigrad, ça peut être un... Bah, c'est plus urbain, visiblement. Velen, ce sera le champ de bataille, si j'ai bien compris. Ah, j'hésite. Et puis Skellige. Quoi de neuf à Skellige ? Ou Skellige ? Rien. Sur les îles, tout est fait dans le plus grand respect des traditions ancestrales. Génération après génération. Les insulaires se querellent, pillent et attaquent nos transports. C'est pénible. Mais cela ne va pas plus loin. Skellige s'est toujours tenu en marge de l'histoire. Et il en sera toujours ainsi. Vous avez l'air bien sûr de vous. Et si le roi Bran parvenait à unir les Jarls, à coaliser les clans contre votre flotte? Le roi Bran est un vieillard décrépit. D'après mes informations, il peine à se souvenir du nom de ses vassaux. Dans ces conditions, les unir sera pour le moins difficile. Bon, bah du coup, on sait un petit peu mieux à quoi ressemble la région. Merci de votre aide. Je vous en prie. Puisse le grand soleil éclairer... Oui, 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 bien sûr, tout ça. Alors... Le stuff. Bon, par ici. Non, c'est par là. Voilà. Monsieur, comment puis-je vous servir? En me rendant mes affaires. Ouais, à fond. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. Ok. On peut parler à madame. Voilà, la quête est terminée. Ça me fait de l'XP, j'ai rien foutu. Oh là là. Ouais, bon, ça monte gentiment. Et puis là, il faut que je voyage jusqu'à Velen. Bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là, ça fait déjà plus de 20 minutes, donc ça sera un épisode de transition, il y aura bah voilà, des éléments de background, je comprends un tout petit peu mieux. Je vais lire ce qui, enfin des choses en ce qui concerne la chasse sauvage, comme ça je pourrais expliquer à ceux qui connaissent pas comme moi ce qu'il en retourne, et puis on va voir ce qu'on peut faire au niveau de ces différents endroits. Donc là, on me propose d'aller jusqu'à Velen, je sais pas si je... peut aller ailleurs. Moi, j'aurais plutôt voulu aller à Novigrad, finalement. Mais bon, là, c'est comme ça que ça se passe. Peut-être que j'ai le choix tout à l'heure. Ou qu'il faudra aller dans les trois zones qu'on vient de voir ensemble. Et bien voilà, c'était DRK36 pour un épisode sur The Witcher 3 Wild Hunt. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit. Et à très bientôt. Ciao !